Bonsoir la famille, bienvenue tout le monde. Nous comptons, yon l'autre fois encore, rejoignez nous sur Chanel Polan. TAC 509, à tout haïtien connecté, dans l'émission Mon éditorial avec Yannick. N'a pas continué pour tes informations pour vous, n'a pas continué brasser l'idée sous tout petit détail qui a dominé l'actualité. Aujourd'hui, c'est dimanche 30 juin 2024. Déjà, n'a pas souhaité passer un très bon dimanche et n'a pas tout profité, souhaité une joyeuse fête des pères à tout papa haïtien, yo, à tout bon papa haïtien, nous, yo. Qui pas jamais suspend sacrifier yo, qui pas jamais suspend travail dû pour faire élévation timoun yo, pour porter ki choye nan kailan, pour supporter madame yo, pour supporter famille. Donc nous konnen et travail nous sacrifice nous effort nous fait chaque jour bon Dieu mette yo pa gen prion jou pa tab jamais suffi pour nous honorer, pour nous apprécier, pour nous consacrer tout effort papa haïtien, tout effort tout bon papa haïtien fait et dans kaelan avec timoun yo en famille. Mais n'a prend moment, n'a consacré journée pour nous voyer en pile énergie positive, en pile l'amour, en pile mot de réconfort pour tout papa haïtien yo qui a fêté journée jeudi 30 juin là, fête des pères en Haïti. Mon connais des amis qui a demandé Yannick, c'est pas des souhaits, c'est pas des énergies positives nous besoin. Nous besoin cadeau, nous besoin fête. Mais année dernière, on te promet fête. Année ça sérieusement et c'est pas promesse m'a fait, mais année prochaine si Dieu veut et nous mettre ferme confiance. Nous mettre ferme confiance et toute disposition on apprend pour nous encadrer, pour nous honorer. Et yon groupe papa en Haïti qui a fait et un pile sacrifice, un pile effort pour encadrer, pour faire élévation de timoun yo. Donc, nous apprécions ça et nous avons honoré, nous avons baillé toute valeur que nous gagnons dans la société. Également, j'en ai toujours fait pour maman. Compatriotes haïtiens, frères et sœurs, dossier Kenya, ce n'est pas un dossier qui pitié. Dans le jour qui s'est passé là, nous avons policiers kenyans accompagnés avec diverses unités dans la police. Il y a un agent squad qui était là, il y a un militaire, l'armée d'Haïti qui même était là. Nous avons comment policiers kenyans ont mis les pieds à terre. Ils ont parti en reconnaissance pour arriver à garder qui sa Port-au-Prince, pour arriver à descendre que Port-au-Prince. Côté bandits qu'on a fait théâtre, côté bandits qu'on yo même a simaye la troublaille. Et nous t'apprenons constater, compatriotes haïtiens, frères Iso Village de Dieu, chef gang Iso, qui lui-même, rapide, li fly droni sous tête policier kenyan yo, li mette droni. Li mette droni sous tête policier yo, li a contrôlé tout fait, tout geste, toute activité qui t'a faite dans le périmètre palais national. Et depuis lors, compatriotes haïtiens, frères et sœurs, depuis les ISO fin a contrôlé les policiers kenyans, il y a une pile question qu'a posé véritablement, est-ce que mission Kenya dirigée, est-ce que le papa a constitué un échec? Et il y a des analyses qui faites, il y a plusieurs éléments yo considéré. Eh bien, je ne jodi an la qui mande pour nous réfléchir sur yo. Parce que pas oublier, yon groupe policier étranger qui dit yo vin supporter, yo vin renforcer la police, yo sorti nan matériel la police qui tombe en panne, comme d'habitude, j'en blende yo kon tombe en panne, blende tombe en panne, policier kenyan nan blende qui tombe en panne, etc. Rive nan palais national, ils ont metté droni a contrôlé les gens a regarder la police kenyan yo k'ap déplacé mais ils ont contrôlé le gen contrôle tout bagay. Un groupe policier étranger a sorti alors que nous té wè matériel, nous té wè hélicoptère, nous té wè chablende, nous té wè différents matériels yo douk vini pour force et puis pour un groupe policier a descendre nan Port-au-Prince alors que yo konn ki sa Port-au-Prince yen, même un hélicoptère pa gen en support aérien. Mais mon drone pa gen en support aérien et puis là nous voulons voir un signal bay bandi. Qui signal nous voulons voir bay bandi là? Et bien pour un pile moun compatriotes haïtiens frères sœurs, ça n'a pas gardé la action ils opposé côté li mette drone sous tête policier kenyan yo. Et bien c'est déjà en déclaration de guerre de combat
C'est déjà une façon pas bandio pour bandio dit et troupe kenyan yo même yo pas peur yo qui contrôle en l'air c'est yo cap contrôler espace aérien haïtien n'importe Jean Rémi yo paré pour yo bon paquet explication que mon a cherché bail mais ce qui est sûr c'est que dans moment nous a regardé des images yo véritablement policier kenyan yo te paraît vulnérable. Yo te paraît vulnérable parce que imagine ou moun ki ennemi ou là moun ou vin bataille contre yo même non ou pas même wè si y'a gado ou pas même kon si y'a gado et puis yo mette drone sous tête ou y'a gado y'a contrôle ou donc si yo pas ta cause yo pas vle si yo pas pote bourre sous c'est yo pas vle si yo pas arrivé prendre c'est yo pas vle donc dans ce sens ça compatriote Aïssa Vresem gen pile question k'a poser véritablement. Et est-ce que Kenya vit une bataille? Est-ce que Kenya connaît dans quelle situation yo yé journée aujourd'hui par rapport avec coalition gang vivant ensemble? Mais gros bagage qui est extrêmement important. Ça qui est important, vini Kenya c'est youn. Présence policière Kenya c'est youn. Mais pas oublier compatriote Aïssa Vresem. Coalition gang vivant ensemble non. Haïti pas fait zam, Haïti pas fait bal, bal yo bon kote yo sorti, zam yo bon kote yo sorti. Si n'ap combat gang, n'ap combat bandi, sous place, sous sol lan, moun sa yo ka voye zam, ka voye munition yo, c'est qui ça l'état haïtien, c'est qui ça la justice nan pays yon pral faire avec yo. Moun sa yo que États-Unis, Canada te sanctionné nan question zam, nan question trafic zam, trafic bal, etc. Qui ça nous pral faire avec yo? Véritablement c'est qui sa sanction américaine canadienne yo c'est qui ça utile le n'a gardé que bandi yo toujours gen zam k'ap rentre pou yo yo toujours gen bal k'ap vin jwenn yo pa pile pa paquet donc véritablement pendant Kenya là est-ce que c'est pas ta bon moment pour Gary Conny dit la font réforme en profondeur dans appareil justice m'arrête tout bandi à cravate yo m'arrête toute machine zam yo comme 11 famille yo Jean Rebel d'Orsena. Kote yo 11 famille sa yo kote yo sans compter un paquet l'autre haïtien qui yo même dou yo dans diaspora qui prend plaisir d'envoyer zam d'envoyer bal en Haïti nous wè en pile fois comment nan cap haïtien comment y a déposé la patrie yo et qui est c'est pas ni oligarque c'est pas ni moun nan classe politique c'est des particuliers qui yo même seul intérêt yo gagné c'est fait comme blanc si c'est dans zam nan pou yo faire si c'est dans vendre balle nan pou yo faire yo a fourré le monde en télévision yo voyer en Haïti et c'est là yo kembe yo c'est là yo déposer la patte sou yo a connait c'est dans pratique ça yo té depuis 10 ans depuis 5 ans depuis 15 ans etc. Donc nous besoin font réforme dans système justice. Eh bien faut que moi di ou Nations Unies nan moment n'a parlé à la compatriote Aïssa Vresem yo mette yon vidéo de yo côté yo a bay un ensemble de détails nan sa ki gen pou wè avec mission multinationale gen 5 faits que yo présenté et voilà yo présenté 5 faits côté y a bay détails sous véritable fonction et Kenya nan pays yo sous véritable mission force pral gagner dans pays donc là on nous garder ensemble les forces de police kenyan arrivent en Haïti dans le cadre de la mission de soutien à la sécurité multinationale 2 les actes de violence des gangs en cours en Haïti ont causé aggravation de la faim et entraîné des déplacements records. OK là yo bay yo statistique sou quantité moun ki déplacé quantité moun ki kouri ki te kayo à cause insécurité à cause gang à cause bandi et n'ap gade véritablement 2024 pour 2024 là si n'ap gade ki volume moun ki quantité moun ki kouri ki te kayo à mande est-ce que nous en guerre c'est plus que 300 000 moun ki kouri ki te kayo compatriote Haïti français mais c'est exagéré nan propre pays nous. On voici. Nous gagnons 4 et nous gagnons 3e fait. Yo dou la MSS, la mission de soutien de sécurité soutiendra la police nationale d'Haïti pour lutter contre les gangs, sécuriser les infrastructures stratégiques, assurer un accès sécurisé à l'aide humanitaire. Mission
yo même yo gagné pour objectif 1 lutter contre gang yo, 2 sécuriser infrastructure stratégique yo, et puis 3 assurer un accès sécurisé à l'aide humanitaire. OK? En quatrième position, mission qui dirige par Kenya. Jusqu'à présent là, il y a au total de 8 pays qui ont même yo dit yo paré pour venir rejoindre et mission c'est là pour faire partie de mission. Et en cinquième position, et bien que mission multinationale pas en mission, li pas en opération de Nations Unies, mais li pral contribuer compatriotes haïtiens frères sœurs pour aider distribuer aide humanitaire. Donc Nations Unies te prend le soin pour mettre vidéo ça dehors. Pour expliquer 1, 2, 3, 4, 5, 5 faits marquants suite avec présence policier Kenya, suite avec déploiement premier troupe qui fait partie de mission et soutien à la sécurité et ça nous relève mission multinationale. Donc là déjà, nous avons une idée de qui ça, mission multinationale. Yeah. Cependant, compatriotes haïtiens, frères et sœurs, nous-mêmes qui en Haïti, nous gagnons pile doute par rapport avec efficacité mission. Est-ce que mission la efficace véritablement? Est-ce que mission la arrive à résoudre problème insécurité, à résoudre problème gang dans tout bon? Parce que gagner des paramètres nous doit considérer et nous supposer prendre problème dans depuis kounye a pou pita papitrice. Pour pi devant nous parle crier sans pour qui raison parce que là si nous regardons, compatriotes haïtiens, frères et sœurs, pas bien trop longtemps, non depuis le ministère de quitter le pays. 2017, pas bien trop longtemps depuis le ministère de quitter le pays. Ministère de 2004, 2017, là, yo allé. Nous regardons la quantité de temps qui passé dans le pays, et nous regardons pour qui résultat. C'est comme si la force multinationale yo présent sous sol là, gonti calme. Apparent ou gros sensation que tout bagaille a marché, que tout bagaille a fonctionné, mais au final c'est comme si son couche maquillage yo mette, c'est comme si son fond de yo mette, nous connaissons les mesdames yo maquillé, yo mettent un fond de yo mettent un primer, yo passent un fond de, après ça yo passent poudre, yo passent tout ça yo mette. Et puis, yon bon apparence, tout bagay a marché. Yon bon apparence, tout bagay clean. Yon bon apparence, que tout bagay sous contrôle. Et pourtant, kounye a, c'est l'or pour un savon. Ou passe savon nan men ou passe l'en visage, mette de l'eau, et pour pralouer toute imperfection qui gagne. Donc, c'est même bagay là pour force multinationale. Le ministre qui te paye en l'allé. C'est après départ ministre au pral ouété toujours gain violence gang yon de dans pays an. Pour qui ça parce que la police nationale d'Haïti à l'époque tout époque ministre te présent dans pays an, nous te gon la police nationale qui te ba nou apparence que te fort mais le pas de fort vrai. Li pas de fort parce que toute opération qui t'a mené aux compatriotes haïtiens frères chèm, tout bandit dans de yo t'a stoppé, éliminé, faire courir, déposer zames etc. etc. Tout bagay sa te repose sous dos mission ministère, te depose sous dos policiers militaires étrangers. Alors que pendant tout temps ça, autorité haïtienne yo pas jamais tiré aucune leçon, yo pas jamais tiré aucun avantage de présence ministère pour yo solidifier, pour yo renforcer PNH pour le ministère aller. M'gen impression nèg yo te mette dans tête ministère pas jamais quitter pays. Et peut-être qu'on pas que nèg là qui gagne qui te gagne Jovenel Moïse sous cœur parce que Jovenel te dit fuck dernier troupe yo aller qui te pays parce que nèg yo te chita croiser bras yo y a touché pour un travail que yo pas fait véritablement le ministère les barrières ouvri barrières libre parce que la police pas tiré aucune leçon la police pas renforcé effectif la police yo pas profiter de situation pour augmenter parce que on moun dou li vinn bon petit coup mais ou prend toute responsabilité ou lagué sous dol. Le ministère, l'école lagé, gang renforcé, comme
palais justice li te tout louvri et bien cabri tout profiter rentrer yo craser le net et puis kounye a se lèp se a vi n'ap pété nan figi nou se lè sa n'ap relé fermer barrière n'ap chercher médecin n'ap chercher pansement n'ap chercher antibiotique n'ap fait tout bagay non. Donc journée jodi an compatriote haïtien franchement si nous vle Jean Premier ministre Garry Conille mission multinationale ça li dwe dernier mission nous. Eh bien, faut que nous commençons tout profiter, mettre pression sur le gouvernement, mettre pression sur le pouvoir l'État. Pour nous dire, Premier ministre Garry Conille, justice, ça pas carré comme ça. Quand il y a 11 familles qui ont fait bateau, zam, conteneur, zam, cargaison, zam rentré. Combien d'autres personnes qui étaient complices avec l'église épiscopale d'Haïti pour faire conteneur, zam rentré? Combien de conteneurs zam l'église épiscopale d'Haïti te fait rentrer sous franchise l'État haïtien bali encore pour venir touye petit pays encore. Toute question ça faut que nous ka poser. Faut que des moun ki ka mette pression sous le gouvernement qui là pour assurer que 11 familles ça la république connaît histoire connaît yo prend des dispositions contre yo. Moun ki impliqué dans politique, dans société civile, dans l'église, dans trafic zam, dans trafic bal, faut que des dispositions qui prend et dispositions ça yo c'est la justice qui pou prend yo. Donc, nous pas qu'à dire que Kenya pral performant ou bien Kenya pral échoué si nous même dans pays nous, si depuis à la base nous pas assuré nous que nous renforcer institution yo. Si nous pas renforcer la justice, Kenya ka toujours vin là, policier Kenya yo ka toujours yo sous goumen, yo sous bataille, yo met pied à terre et cetera et cetera. Yo rentrer dans quartier populaire, yo touye deux trois bandits. Mais les bandits, combien bandits t'es mouri de 2004 jusqu'à aujourd'hui? Combien bandits t'es mouri et puis où est compatriote haïtien frère? Non même base, non même quartier, non même environnement. Yo toujours continue multiplier, yo levé tant kou jonjon, yo levé tant kou pépinière. Pour qui ça? Parce que moun kap armé yo, moun kap ba yo zam, moun kap ba yo bal yo, moun kap facilité yo, kap financé yo, yo pas jamais prend code vrai. Yo pas ni stopper ni prend code. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire doton pas couper tête serpent. Doton pas couper tête là compatriote haïtien frère sœur. Et bien toujours gen possibilité pour yo continuer faire pratique là. On comprend toujours gen possibilité pour yo continuer faire activité criminelle yo, faire mauvaise affaire. Donc journée jodi hein, si nous besoin véritablement stopper gang, stopper criminel, stopper bandi. C'est pas prendre toute bagaille déposer sous de force étrangère déposer sous de monde dehors etc. C'est mettre green no dada nous même qui dans l'état pour nous connaître un nous pas dans complicité à gang à aucun gang de quelque nature que ce soit nous pas dans aucune facilité avantage à des hommes politiques nous vinn font travail pour payer nous fait travail là nous renforcer la justice nous marrer monde qui supposé marrer avec on justice j'ai bandé. Nous baillons apparence que la justice j'ai le bandé et puis tout quoi oligarque la vinian j'ai la justice calé de getta ouais tient tel vous comprenez et puis coup petit soyette là comme malheureux à vini c'est justice j'ai bandé vous comprenez mais quoi oligarque corrompu au vini la justice j'ai le calé levé bandeau là la regardez on pas ou même à pas cette petit Pierre non pas petit Pierre hein à pas être petit Brant à pas être petit Meze a passé ti Abdallah etc. A pas yon ti vob sa passe, comment on fait là? La justice a posé yon question et puis vous yon allez. Donc, journée jodi, faut que nous ka fait la peur des choses. Véritablement, si nous voulons avancer, si nous voulons après 10 ans, 15 ans, 20 ans, pour ne pas retourner dans le même côté nous yon là, dans l'étranger, après pour nous dire, oh, nous parlons l'étranger, vin pi de sol papa de saline, sol papa nation, etc. etc. Faut que nous prenons responsabilité nous depuis jodi. Compatriote haïtien frère sœur, nous gagnons Premier ministre Garry Conille qui lui-même pendant li en déplacement là, li annoncé rencontre li avec quelques responsables locaux et aux États-Unis principalement dans Miami des responsables haïtiens côté yo te font chita parler et sous des points qui extrêmement importants. Premier ministre haïtien Garry Conille li te fon tirete nan Miami pou le rencontre représentant américain et Wilson et Frederica Wilson avec quelques dirigeants locaux haïtiens
Et en route vers Washington, D.C., le premier ministre haïtien Gary Conny s'est arrêté à Miami pour une réunion à Little Haiti avec la représentante américaine Frederica Olsen et les dirigeants locaux haïtiano-américains. Initialement prévu pour une réunion à huis clos de 45 minutes à l'église catholique Notre-Dame d'Haïti, la visite a duré plus de 2 heures. Donc, le premier ministre Gary Conny l'a rencontré avec des dirigeants américains également et des dirigeants haïtiano-américains qui a évolué dans la communauté haïtienne dans Floride. Moi, une question m'a posé tête moi pour quantité haïtien me connaît qui yo même yo a vive Floride qui a évolué dans la communauté hein? Et combien nan yo hier qui te connaît qui était au courant de passage de visite premier ministre Gary Conny. Combien nan yo véritablement qui te connaît et Gary Conny t'a pral vini, t'a pral gagner des dirigeants locaux, t'a pral gagner des dirigeants dans communauté haïtienne nan t'a pral font chita parler. Combien nan yo te gen chance voyer doléances yo aller. Moi même go bagay me réaliser c'est que communauté haïtienne nan qui a vive dehors pays que ce soit États-Unis, Canada, la France, Brésil, Chili. Nous même haïtien pas connait pour qui raison nous pas véritablement remet monter communauté. M'pa konn sa k fè ça. Et c'est ça qui fait en pile fois gien des avantages que nous pas bénéficier. Gien des avantages que nous pas bénéficier. Le n'a gardé latino yo k'ap fè ki yo même y a progressé, y a avancé. Le n'a gardé juif yo qui a avancé. Le n'a gardé un paquet d'autres communautés qui États-Unis qui a évolué, qui mettait tête ensemble, qui connaît yo gen un porte-parole, qui connaît gon association, gon communauté qui monte, communauté ça li gen li gen yon groupe moun kap dirije li, vous comprenez? Li gen groupe moun ki en tête, etc. Nous même, nous toujours fè bagay ti clan. Ou passe la gen yon groupe, ou passe la gen yon groupe, nou même quartier. Alors que yo poko jam réfléchi pou yo di, yo fè yon seul regroupement, si gen yon événement important, mais qui est-ce qui pral pran la parole? Mais qui est-ce qui gen doléance yo? Mais qui est-ce qui a fait ceci? Mais qui est-ce qui a fait cela? Et c'est ça qui fait en pile fois. Nous pas jam ka bay résultat, nous pas jam ka rive fè passe doléance, nous fè passe revendication nou, parce que nous pas univré, nous pas mette tête nous ensemble vrai. Nous pas mette tête nous ensemble. Matin, m'ta parlé avec 2-3 amis. Et puis me dit bon premier ministre nous il était dans quartier nous était dans zone nous etc. Je pas connait bagaille comme ça. Me dit bon il était pas rencontré avec tel groupe organisation tel groupe monde telle organisation, me pas connait organisation ça. Me pas connait. Alors que qui côté yo nan même quartier, yo nan même ville, yo nan même district. Donc ça prouve que haïtien pas mettait tête yo ensemble véritablement. Mou nou pense kal ki pral parler pou ou, on se a fait parler Mou nou pense k pral parler nan non haïtien, c'est nan ti groupe pal li pral parler, nan ti clan pal li pral parler. Et c'est ça en pile fois qui fait nous échouer. Comprenez? C'est ça qui fait nous échouer. Bien. Et premier ministre Gary Conny pendant passage, pendant absence dans pays là, pendant les États-Unis dans cadre voyage officiel hein, son voyage officiel premier ministre a fait et c'est ministre justice Carlos Hercule qui lui-même remplacé comme premier ministre par intérim. Donc compatriote Haïtien Freshum, premier ministre Gary Conny, il gagne premier ministre a une pression sous dol lui. Premier ministre a une pression sous dol. On nous garder ensemble avec moi et militant politique yo qui véritablement non seulement militant politique yo la déguidon derrière Gary Conny mais yo la yé déguidon tout de Moïse Jean-Charles. C'est Moïse Jean-Charles fait yo bourrique. Nous prenons de bourrique dans la rue, yon krasé, brisé, krasé na construit. Krasé! Et puis, goun yé Moïse Jean-Charles, qui te mette nan tête, il t'apprend le contrôle pouvoir, mais Moïse Jean-Charles, si mousso yo bali, ti kal yo bali, yon, li pas satisfait. Baka fon yé pou li, nèg yo roje. Moun ni te promet, li pral mette nan mairie yo comme agent intérimaire etc. Hey, Gary Conny contrôle ministère intérieur. C'est premier ministre Gary Conny, c'est le ministre intérieur. Eh bien kounya, ou pral commencer ouais, ou pral commencer tande comment menace a tombé, vous comprenez? Donc on va regarder ensemble avec moi et déclaration militant d'Isaï. Tonne boulem la presse. M'a pété pené depuis force mystique qui gagne dans pays là.
et puis il sort l'album. C'est moi qui t'ai dit. Si Ariel Henry parle, ma boule périssime. Major Michel, Rick, Abien, Sorel, Jacinthe, Edmond, Tiblis, Bozil, en jeu qui a un poste sous moi, ton air boule, ma volé, ma volé, BM, ma volé. Je dis à Rick, Abien, qui a poste. Je dis à moi, ces belles photos, à marcher bas, faire, accolade, nous prenons, nous faisons dîner, examiner. En plus, tout que je dis à nous, même ou pas, j'aime demander pour ne quitter dans la rue. PM, pas tout petit bail, PM. Je dis à lorsque vous prenez un nègre qui crase l'éducation dans le pays, ça. L'école tiba, PM. L'école tiba. Je dis à même, je t'ai rien, Denis Dill. Tete, dis à quelqu'un qui commence pas pour nous sérieux. Je dis à. Faut t'apposer, vini avec bilan. Monsieur, si vous tapez ça, je dis à nous taper contre l'histoire de Henri. Et je dis à, comme on dit, Nestlé Maniga, vous dites une nouvelle tête, je dis à la moune qui a Jérémy, PM, pour qu'il traverse Matissan. Je dis à mon yon pas supposé à payer $7,000 chaque fois qu'il fait, mon sides. Pays, c'est notre Jacques Melba qui a traversé. Mais je dis à SDP, crasez pays. La société tendue. Là, nous sommes nerveux. C'est problème, peuple, ça. Je dis à Négoire, tu as une belle caille, belle machine. Je ne peux pas attendre côté dossier, là, je vais être au Caribe à Bali. Je ne peux pas attendre côté journaliste qui est mouru. Tellement qu'on doit parler. Je ne peux pas attendre dossier, M. Doval. Si M. Bas 47, Jean-Denis qui était mouru, journaliste GLPTA, JJM, M. PM, moi, ouais, c'est même Plimay, moi, ouais, c'est même Kabou. Et nous avons une réponse, non, mes petites Dessalines, nous avons une réponse, non, mes Edem. Et nous connaissons aujourd'hui, on sait le 04 qui est dans le pays, Galconi. Non, mais nous avons pris la parole là, l'Irene, sénateur Maurice Jean-Charles. Ce n'est pas un cadeau, parce que je dis à Eric, où est dans la ville avec nous. Et s'il trahit nous, il tout trahit tête et tout. Et je dis à 29 mars, il faut alliance avec Petite Dessalines. Et nous-mêmes, tout ça, nous demandons, je dis à Ferroïven Zoré Gariconi. Nous disons nous-mêmes clair, c'est arrestation, France LB, Napton en deux pays. LB pas fait même avec Léon Charles. Qui tue Jovenel Moïse, je dis à la, les États-Unis prennent, parce que chaque nec qui dirige là, en deux pays, même nec ça y a un blanc en bas tête, en bas mais yo, et je dis à Nabdi, dans le Sénat, c'est un nec, je dis à, pour nous kembel, ou épingle pas, piquer l'en deux pays, parce que je dis à, dans le Sénat ça, c'est dans le Sénat qui connaît 11 fois, qui a vendu ma cartouche. Je dis à la, que c'est pas nec, nec à tes populaires, c'est le problème, non. Mais les gens versions, qui vendent Zamakatou, c'est Domingue, Aminadel, pour les paquets de Zaman Haïti, et tout le temps, ils prennent Wota Major, Colonel, République Dominicaine avec paquet de Zamakatou, avant en Haïti. Aujourd'hui, nous disons nous-mêmes, Gariconi, son premier ministre, qui sort dans un grand pays, qui vient dans un petit pays, mais ouais, une photo à marcher faire dans le pays, là, peuple haïtien n'a pas de problème photo. Et nous avons une réponse. Et je dis à Mairie Pétionville, là, Mairie de Port-au-Prince, c'est peuple haïtien qui a bataille qui te demande. Et je dis à changer côté. Et nous-mêmes, pour me dire la presse, c'est une loi. Constitution en bas nous pour nous manifester. Et je dis à la police, ou pas de résultat dans le quartier populaire. Et nous prenons la rue sans que revendication masse la babasse. Ou bien nous avons gaz. Ou bien nous avons gaz. Laisse ça, ma marche à poudre, ma marche avec bédon, ma marche avec toute qualité bagaille. Et nous connaissons pas pour nous. Après bon Dieu, diable pas jambé mou. Gen yon conseil qui monte là. Gen 9 haïtiens dans conseil là. Dans 9 haïtiens ça yo, yon paquet qui t'a pris plaisir yo ensemble avec Ariel Henry et paquet parti politique yo. Je dis à m'a dit ça, histoire pour la vérité. Un seul parti politique qui t'a accompagné nous dans la bataille là dans l'ouest là, seulement Petite Dessalines. Acticlode qui t'est venu tout, aidez. Je dis à nous, PM Gariconi vient là,
PM Garigo ni se mache fè photo ti bon pa bon. Jodi a même yon chasse de l'eau. Nous même qui t'a mené bataille la propos jambe jeune. Ti kapè la. Mes amis moun yo pran ti tan pou nou gade. Pran ti tan pou la nou gade. Gade expression visage militant dizay. Nou sot tande sa sot ap di yo. Men, ki lè politik an Ayiti a fèt an lòt jan? Ki lè politik an Ayiti a fèt an lòt jan? Jan politik dwe fèt kote ke non seulement politique là dit doit être fait de manière représentative, mais politique là supposé fait avec moun qui connait ça à faire, c'est pas des amateurs. Là franchement m'perdu flou. Mais des séries de moun qui viennent parler ou revendication populaire qui viennent parler de revendication peuple. Et pourtant des nèg la cap dou, li même la tonne mairie Pétionville, la tonne mairie Port-au-Prince. Mairie Pétionville, mairie Port-au-Prince, compatriote Haïtien Frèchem. Elle, c'est ça, peuple Apton, c'est ça, revendication peuple. Mairie Pétionville, donc, toute manifestation qu'on a dit, ça y a fait, yo, manifestation, elle a toujours fait, là, ouais, l'île dans la rue, toujours devant la palais, c'est pour mairie. Ok? C'est pour yon kabay, yon job mairie, météo, agent intérimaire. Qui va gagner ça? Quand pays ça, brali? Et puis, nous continuons à dire que c'est blanc qui a crasé le pays nous tout le temps. Nous continuons à dire que c'est ennemi extérieur qui a crasé le pays. Ennemi extérieur. Et vagabond malandrin, qui ça a fait avec vous? Qui ça a dit que nous causé ça dans le dossier? Ça? Politique qui fait comme ça? Depuis qu'il est politique, c'est notre gordette qui a mesuré. C'est notre qui est là mesuré. Depuis qu'il est intérêt collectivité, ce n'est pas mon père qui a géré ça. Adje. Mais pas ici, non? Je dis à Pep Kabouvey toujours dans misère. Je dis à Pep Tokyo toujours dans misère. Pep La Saline toujours dans misère. Je dis à journaliste, si nous t'arrivons canapé vert, dans le deuxième nan, pour nous avoir un bloc qui sorti Sainte-Marie, depuis bon commissariat, descend net, depuis le KM de fonds intervention, où tu es travaux publics, tu es un tracteur, tu es nettoyé. Et bien, depuis le date ça, que nous ne parlons pas. Et nous avons dit ministre, travaux publics là, nous-mêmes comme jeunes, depuis le commencement sur Ariel Henry, nous demandons mairie Port-au-Prince pour nous nettoyer le pays. Aujourd'hui, nous-mêmes, ça fait que nous pas sous table là. Le pays a connu, le monde entier connaît, nous faisons alliance avec petite de Sali. Aujourd'hui, nous voyons un signal clair par le parti politique ça. Jodi a qui vient prendre bataille nous en d'assaut. Jodi a y a problème si yo. Jodi a nous connait l'aime parler, m'pa jouer. Et toute cérémonie rituelle yo m'fè yo. Yo là. Yo là. Et non jout pas vinn là m'pa commencer la guerre yo. Et gine gou pa loué cap nan biro, y a tombé mal kadi. Parce que monsieur nous pas de bataille. Nous sommes des Chinois à faire quelques petits visites, quelques petits côtés, et pour qu'on bataille peuple. Nous sommes docteur Louis Gérard Gilles, toujours parler, mais c'est pour qu'on en ça là. Non, c'est ça. N'a pas dit Gary Conny, je dis à mairie de Port-au-Prince, nous avons dossier, nous avons allé déjà. Ce n'est pas un cadeau. Dossier Abel Lorestan, dossier Jonel Joseph, représentant 29 mars là. Voilà, posez en pile. Moi, franchement, yo fait la peine. Le m'a gardé les gens d'intervention, ça yo. Le m'a gardé dans qui est ta yo réduit politique de dans pays. C'est comme si son coup de poing ya yo ban moi. Franchement, c'est comme si son coup de poing ya m'bran. Et c'est une des raisons toujours assurer que m'rete objectif et le plus que possible. Ok? Pour qui raison? Parce que l'homme garde réalité, l'homme garde véritablement qui est ce monde qui met le pays, qui réduit le pays encore ça. C'est nous-mêmes encore comme haïtiens. C'est nous-mêmes comme haïtiens qui réduit le pays. Nous n'avons pas qu'à accepter un paquet de monde qui devait manger, un paquet de grand goût, un paquet de monde qui s'est éventuellement défendu avant de parler, de râler les gens dans le quartier populaire.
comme drap, comme couverture, pour yon défendre intérêt, pour yon faire l'argent, pour yon bénéficier chaque mois, et puis pour nous accepter, pour nous croiser bras nous. C'est comme si c'est seul moun sa yo qui gen la voix au chapitre, qui kon parle, qui kon défend. Valè moun véritablement konnen ki chita sou dans l'école qui apprend ses politiques. Valè militant konnen tout bon qui yon même yon gon cause qui juste y ap défend. M'pa parle de militant mil goud. M'pa parle de militant 5000 goud, de militant chèk zombie, chèk mo non. M'pa parle de moun qui yon même yon conscient Jean Payan et là fòk bon bagay ki fait moun ki te tanmen pran des initiatives avant même que parti politique structure politique que gato t'ap séparé yon là sou terrain mais yon pa wè yo yon minimize yon banalize yon c'est moun sa yon k'ap vin dou Gary Konya fè photo Tibor Babo ça moun sa yon nou vle. On va comprendre ça moun sa renouvelé. Donc politique en Haïti son politique racaille, son politique et on va prendre son politique tête dans sac, son politique et ya non, non. Non. Abraham dit c'est assez moi même franchement pas capable. Moi pas capable. Compatriote haïtien frère, on avance. Et gros dossier extrêmement important, gros vidéo extrêmement important pour nous partager avec. Et parce que là, m'ka di ou le fait que gen pile haïtien qui commence à comprendre que en Haïti que en diaspora qui commence à dénoncer un paquet de pratiques et gen paquet de messages m'a recevoir gen pile moun qui a plein dans moment là pour paquet et pour comment yo entendre yo dans plusieurs douanes pour faire moun yo monter le ciel pas d'eau yo augmenter tout tarif tout prix et moun yo te kon ap dédouane conteneur dédouane marchandise et cetera nèg yo mi entendre yo monter prix. Moun yo revendike, moun yo yo mobilize, yo manifeste, fè manifestation, bloke et douane, etc. Jusqu'à ce que gen des dispositions qui prennent pour bagay yo, pour tout prix retourner à la normale pour douane fonctionner. Là, m'komanse komprenn moun yo pense que lè yo santi yo bloke, yo fè revendikasyon yo passe. Eh bien, compatriote haïtien frèche sœur mwen. C'est pas l'autre port non qui pas ta gagner dans pays là. C'est pas l'autre point d'entrée pour bateau non qui pas ta gagner. Gon paquet zanmi dans département sud paysan, dans sud-est paysan, dans grand est cap dit pour qui ça et c'est celle Port-au-Prince pour gaz à rentrer. Pour qui ça chaque département pas ka gagner et lieu de stockage gaz et cetera pas ka prendre gaz yo directement. Ah Dieu bon Dieu. Oligarque a quitté le fait. Secteur privé mafia ça qui te le fait compatriote haïtien frère sœur. Nous gagne une vidéo nous va partager avec vous là côté. Nous gagne professeur Edier Emile qui lui-même sans langue de bois, pas gagne bien caché l'ombrit. Côté l'a expliqué dans bon timamite qui ça fait nous ouais gagne des séries de bagages qui a passé là dans pays. Nous ouais pas ka gagne l'autre port, pas ka gagne l'autre point et de douane qui ouvrit pour permettre à ce que l'activité soit faite plus facilement dans chaque département. Eh bien, même j'en donne 11 familles qui vendent des armes, même j'en donne 5% de monde qui fait 95% de richesse pays, eh bien, c'est même bagaille pour contrôler l'économie pays. Attendez. C'est même bagaille, compatriote haïtien, frère Sam. Et nèg yo tellement cruel, yo tellement méchant. Bagaille, comportement ça, c'est li gen gros répercussions sur question dollar. Ouais, nous pas jamais ka jwenn dollar, l'pa facile. Les moun yo voye ti dollar pour nous depuis l'autre bord, yo ba ou lan goudi site et cetera. Ou met aller nan banque al déposer un ti kòb kounya, an ik sorti devant banque la retourner mande li ap dou pa gen dollar, stocké dollar yo. Tout ça yo lié, yo connecté. Jou nou comprendre faut que nous combat oligak corrompu, mafia économique yo. Choul soufrisqué nan classe politique là qui ont même yo pa jam suspend et a fait mauvais deal yo pa jam suspend a bail des avantages à oligarque au détriment de masse au détriment de collectivité ya. Et bien jou nous comprendre réellement qui est ce qui vrai ennemi nous bon garanti que pays a pral on souffre on nous attendé garder ensemble avec moi intervention et dire Emile qui dernière fois yon moun wè yon route nationale qui t'a construit dans pays. Qui dernière fois on moun wè on construction aéroport dans pays ya? Qui dernière fois on moun wè yon système migration dans pays ya? Qui dernière fois on moun wè yon barrage électrique dans pays ya? Qui dernière fois on moun wè yon gros des grands travaux
d'aménagement qu'a fait dans ville dans pays. Ça veut dire que nous presque pas réglé rien en termes d'investissement public dans pays. Son l'État qui l'a pour fonctionner, payer salaire, acheter papier hygiénique, acheter mettre casse téléphone moun, mettre gaz dans machine nèg pou le matin midi soir, mais sans vraiment gagner des ressources pour investissement public. Et c'est lui même qui va le créer soit parler là. Soit mais sans vraiment gagner des ressources pour investissement public. Et c'est lui même qui va le créer soit parler là. Et sous ta qu'a prend canal là que population a construit, c'est peut-être green bag qui fait dans 12 mois que c'est passé là. Et c'est population fait, c'est pas l'État. Ouais, c'est pas l'État. Donc ça veut dire que je dis a gagne obligation pour que si n'a parlé de redressement pour que nous ayons gagné des chantiers dans le pays, non seulement qui était commencé déjà, qui est capable d'aboutir, mais en même temps tout, pour capable de lancer de nouveaux chantiers. Parce que l'offre des investissements publics guerriers, non seulement créer du travail, mais en même temps améliorer les conditions de la vie de monde, mais troisièmement, les créer les conditions pour que les gens qui font business, qui font business, puis bien. Et c'est ça yon route vle di. Et c'est ça yon pont vle di. Et c'est ça yon système by l'eau vle di. Et c'est ça yon système électrique vle di nan pays. M'a parle de acheter d'el kouba en zone, m'a parle de système en tant que tel. Même j'ai pour agriculture. Pas gros qui n'investit pas fait agriculture je dis là. Donc nous pensons que nous pas capable continuer à gérer pays en boutique. Nous pas capable continuer à gérer pays seulement en fonctionnement. Payer mon salaire, mettre vers sous mon nom, vin là, ou les machines, à la caille, et puis après un temps, li bon l'autre monde job li, nous besoin des actions, actions d'envergure, justement, pour capable gagner un impact réel sur la condition de population. Et moi, le bon exemple, gagne. Comment comprendre, jusqu'à aujourd'hui, que concentration économique l'arrêté sur Port-au-Prince? Mon nom sud, a plein yo besoin que port du sud fonctionnel parce que le gal gagne impact sou yo sou disponibilité produit sou capable importation produit que ce soit gaz ou de l'autre produit agroalimentaire yo ka exporter tout maintenant pour qui ça li aussi difficile pour que yo gagne licence pour fonctionner librement pour qui ça aussi compliqué comme ça pour que gaz capable rentrer miragouane sur l'autre bord pour que gaz ka rentrer dans sud sur l'autre bord pour que capable rentrer dans nord sur l'autre bord cap haïtien. Pour que ça a compliqué comme ça, pour que l'aéroport du Sud pas jamais capable de réaliser. Mais qui quantité quoi vous besoin pour faire ça? Nous pas parler de l'aéroport de Miami, non? Nous pas parler d'un aéroport tant que cap haïtien qui pas si grand que ça permettre que gagner un flux de circulation de monde là-dedans pour que avancer. Et je pense que concentration Port-au-Prince ça qui était surtout faite avec occupation américaine. Et Duvalier, deux mondes ça, c'est monde qui plus concentré économie à Port-au-Prince. Occupation américaine et Duvalier. Moi pensais que gon nécessité jodi a, si n'a pas le développement guerrier. Son on a parlé développement jodi a, il pas parlé de renforcer région yo, il pas parlé développement. Son on a parlé économie, il pas parlé renforcer nord, sud, Grand-Anse, Atibonite etc. par rapport à l'ouest, il pas parlé économie. Et c'est ça qui est important jodi a là. Donc tout dépend dans ce que nous gagnons de Port-au-Prince. C'est lui qui fait que le pays a souffert comme ça avec la sécurité. Parce que si l'autre zone dans le pays n'a pas dépendant de Port-au-Prince comme ça, il n'y a pas d'absence si dérangé avec Port-au-Prince qui fait 3-4 ans là en bas kidnapping. Ouais. Et c'est même pas grave avec Saint-Domingue. C'est parce que nous construisons dépendance par rapport à Saint-Domingue tout qui fait que Jodia lui dérange le pays comme ça, là que Saint-Domingue décide de fermer les frontières pendant un certain temps. Je dis comme ça, vous faites des rires. Vous quittez marchandises passées, vous quittez monde passé. Ça veut dire, marchandises. Frontière a ouvert pour marchandises, pour qu'à vendre nous. Okay. Mais pas ouvert pour monde. Ça veut dire, vous pas t'arrêter, mais nous passer. Est-ce que nous avons traversé à produit? Non. Alors, c'est son commerce en seul sens. Ok. Son commerce en seul sens. Vous l'ouvrez seulement pour marchandises par écouler. Et puis. Non, mais de manière informelle. Là, on vient ramasser cabri tout dans la tibou dans le plateau central. Vous savez ça avec? Mon pas un commerce sérieux qui a fait l'autre bois. Chiffre année dernière, c'est 10 millions de dollars et que nous vendons l'autre bois. Pendant que vous vendez pour milliards de dollars. 10 millions, 1 milliard. Quelle différence là? Et m'bralzou, jodi a,
ou gon quantité jeune dans pays a la besoin al Mexique, qui besoin al Brésil, qui besoin de l'autre côté pour 10 000 raisons qui pas aller parce que pas un vol direct ça a de Haïti étant si c'est même pour passer. Par contre, c'est possible, non? C'est même pas accepter mon yo vini, ça pas intéressé. Même besoin commerce qui traverse Haïti. Et malé au cap dernièrement guerrier, moi rencontré deux jeunes entrepreneurs qui dans commerce zeu avec poule. Monsieur Odim, là au fin fait dépôt pour entreprise dominicaine là, fait dépôt la banque sous frontière. Yo mettez banque sous frontière pour faire dépôt. Si que yo bay un mauvais produit, yo pas qu'à traverser pour aller protester parce que yo pas gain droit pour aller dans pays là. Vous comprenez? Ça dit que ou payez nèg l'argent. Livre et vend nous zeu pas bon. Donc ou pas qu'à traverser frontière pour aller protester parce que li pas d'accord moun vini mais d'accord marchandise vini. Traverser. Mais de bien. Qui les questions ça va adresser? Parce que affaire étrangère, c'est pas mettre mon en diplomatie. C'est régler les questions sérieuses. Questions ces domaines. Soit sûr, yes, yes. Et c'est ça qu'on a obtenu comme réponse dans le pays. Bon, on retourne sur la question. Alors, monsieur, que là, on a parlé de décentralisation. Exactement. Ok? Et, adoué, et on, c'est on, là qu'on a le développement tout bon, guerrier. Oui. Alors, par exemple, Port Saint-Louis du Sud, là, qui finit, je me suis dernièrement eu une pression faite avec un bateau qui était un ciment, qui était venu. Il a été forcé à l'autorisation pour débarquer. Même moi-même, j'ai fait des machins. Oui. Mais après ça, pas grand-chose qui fait. Donc, qui ça? Quand est-ce que c'est le problème? L'État ou bien le secteur privé qui dit, bon, me concentrer tout ça là pour me garder un contrôle. Et qui ça a dérangé, par exemple, si Port ça fonctionnait? Moi, je suis là extrêmement grave. On dit, si nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, ça. Ça, je dis là, son bagage que tout le monde n'a pas courage pour dire. Son monde besoin comprendre pour qui ça a des ports provinces qui n'ont pas ouvert, mais réalité. Parce que le monde qui a des ports pour oppression estime que l'économie est trop petite pour gagner l'autre port. Et on dit ouvertement. Mais vérité. Ça veut dire que vous estimez que quand si tu es compté, tu pas entré dans le pays, ya, pas assez pour yo pour qui ça gagne un nouveau port qui est obligé de construire. Voilà la vérité. Est-ce que vous suivez bien? M'bap cité non yo. Nous connaissons qui pour gagne Port-au-Prince. Et nous connaissons Metio. Nous connaissons qu'est-ce qu'a géré yo. Et m'bral plus loin avant. Gagne même port dans Port-au-Prince qui construit pas qu'à opérer. Dans Port-au-Prince? Bien sûr. Concurrence entre eux. Bloqué ça. Ça veut dire que moun ki gen un port yo estime que l'économie n'a pas gen assez de conteneurs. Parce que Haïti a à peu près 100 000 conteneurs par année. Country. Et puis là, à Bahamas, à peu près 1,5 million. Un petit pays comme ça. Vous comprenez bien, oui? Maintenant, pour qui ça Bahamas gen tout conteneurs ça? Parce que l'économie l'a pas marché. Pour qui ça l'économie pas non pas marché? Parce que justement, il y a trop de monde qui a pesé. Trop à peser. Et tout autant qu'on pas capable de décentraliser le pays, il y a une question de port. La question accès, la question crédit, nous ne pouvons pas parler économie. Et mesdames et messieurs, bagarre là qui est important. Tenez bien ça, m'bel dire. Si mon vient là comme ministre, si mon vient là comme premier ministre, m'a parle avec Guy Koni, avec tout ministre là. Pour changer pays ça, faut oser poser action que mon bah jambe pose. M'bel poser me dire. Pour changer pays ça, faut qu'a oser poser action que mon bah jambe pose. Si on vient là pour venir faire prudence, ou pas vraiment en gauche, ou pas vraiment en droite, ou pas vraiment déranger, ou pas vraiment ou beurre, ou pas vraiment changement. Et c'est beurre qui mettez nous là. C'est parce que ni Aristide, ni Matel, ni Jovenel, tout le monde a beurre. Il y a pas les ports là, mais il n'y a pas qu'à faire. Il n'y a pas qu'à poser action. Il n'y a pas qu'à poser action. Pays a besoin d'action. Pays a besoin de déranger ça là pour que le marché. Et yon là, dans, encore une fois, c'est permettre que capable de gagner. Liberté pour moun faire investissement dans tout domaine dans le pays, pour que toute zone ait accès. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que si je dis qu'il y a 100 000 conteneurs dans l'économie seulement qui a rentré, c'est parce que nous tellement à concentrer qui fait que le pays a une ouverture là-dedans. Si Jamaïque, Bahamas, qui a tout ça. Et c'est de ça qu'il s'agit, je dis. Son monde vient là, vient diriger le pays, ou pas de courage, ou pas de graine, place ou pas là. Il faut qu'on comprenne que il y a un défi qui là et on a une obligation pour bailler résultat. Faut suspendre ouais politique tant qu'on a une finalité. Ça veut dire moi viens là, moi j'ai un job là, me fait quoi moi m'aller.
Politique, c'est moyen que lié et pas finalité. Moyen pour me atteindre des résultats population. Et c'est pour ça pour moi, moi c'est l'important. Je ne peux pas juger personne moun qui là. Au contraire, moi là pour m'observer et pas t'arrêter mes échoués parce que m'a vivre dans pays là. Ouais. Moi sont professionnel. Mm-hmm. M'ai besoin que yo réussi. Mais pour yo réussi, yo pas qu'à continuer faire ça qu'on a habitué faire. Et yo pas qu'à arrêter là à faire photo, yo besoin poser des actions, yo besoin réunir pour poser des solutions sérieuses à problème pays là. Voilà. Voilà compatriotes haïtiens frères chum. Moi-même m'a dit nous m'a dit nous ak oligak corrompu ça yo pa ganyen de bon nous ka fè ak peyi an. Ak klas politik ki la ki se tchou l'oligak corrompu yo pa ganyen de bon nous ka fè. Pa ganyen de bon nous ka atann, pa ganyen de bon nous ka espere. Nous met a prier depuis jodi an rive jou, m pa konnen, jou nan l'éternité. Depuis ces oligarques corrompu ça yo ki kembe système nan. Depuis ces classes politiques ça qui toujours marre code lombri puis a oligarques corrompu ça yo, nous pas saute là arriver là. Parce que ben toute explication, tout détail que dit Emile Bay là yo, compatriote haïtien frère sœur, bagaille la clair devant yeux nous. Bagaille la clair devant yeux nous. C'est pas petit bataille qui gagne non, c'est pas petit bataille. Nous pas ouais Jean gang yo, Jean bandi yo, non seulement yo assure yo, yo prend Canaran, yo bloqué Canaran, yo allé au-delà de Canaran. Comment zone ça les zones et port la Fito, tout la contrôler net. Bandi contrôler tout net. Pendant nèg yo, yo a créé foyer gang pour protéger intérêt. Yo comme ça tout, yo a mettre foyer gang pour déstabiliser. Oligak a bata oligak parce que ça a dit ou pral manger puis bien passer ça a dit ou a besoin trop ça a dit m'té là avant ça a dit c'est moi pour faire ça a dit c'est ou même ou pas doit faire etc. entre yo chien manger chien et yo tout assuré yo que yo toujours bien contrôle pour c'est nous même dans mitan petit peuple dans mitan masse qui paye pas de casser yo oligak a casser bouda oligak au final compatriote haïtien frère sœur. Mais pas oublier, c'est yo gen contrôle pays nan men yo, c'est yo gen économie pays nan men yo. Lè yo besoin l'argent nan on a rejoint. Lè yo besoin Banque mondiale prête yo cob, la prête yo. Lè yo besoin FMI prête yo cob, la prête yo cob. Lè yo besoin gros investissement étranger fait nan business yo, gros crédit, gros prêt fait. Yo a joine ni. Mais c'est ou même l'on perd du travail ou pas ka manger, qui pas ka voye petit tout l'école, qui pas bien côté pour aller prendre soin sous bon tête fait mal, sous bon dent fait mal, sous bon pied fait mal. C'est ou même, c'est nous même qui perdons, c'est nous même qui victime, non? Parce que nèg yo yo entend yo concentré économie en Port-au-Prince, y a tout nous y a asphyxié nous, y a tout fait nous, mais qui t'aimer les yo depuis yo fait comme blanc. Donc véritablement m'bay dire mille raisons hein. Parce que je ne dis pas, si nous avons des paroles, paroles, pourquoi des actions posées en dedans, dans le temps oligarque, dans le secteur privé, rencontrer le secteur privé, c'est une. Faire assumer responsabilité, c'est l'autre bagaille, oui. C'est l'autre bagaille, oui, PM. C'est pas seulement dire supposer respecter l'engagement. Si vous ne respectez pas l'ordre, il faut que vous forcez, il faut que vous poussez, vous respectez. C'est action. Et véritablement, si n'ap songe, le président Jovenel Moïse te commence à taper, et ti monsieur, te pousse konne. En pile l'argent distribué, séparé jusqu'à ce que va assassiner Jovenel. Donc, jounen jodi, nous besoin moun. Nous besoin moun qui ka pose des actions, qui ka ose pose des actions, qui pa jam pose. Nous besoin moun qui vini défè l'ordre établi. L'ordre za. On sa que système nan li créé 1 2 3 4 c'est démarche ça c'est ligne ça pour suivre nous besoin moun qui pour venir défaite li est-ce que Gary Koni li ka défaite li est-ce que Gary Koni en 2 ans la ka défaite li ou bien est-ce que la essayé la tenté pour pas connait mais c'est ça qui pour faire compatriote haïtien vrai somme pour nous allons souffre si c'est Jean Bagay yo là avec oligak ça yo avec classe politique ça paye pas saute là arrivé là nous ka bouquer c'est nous ka bouquer try nous essayer au final n'a pas ce temps nous perdu qui avenir force multinationale là dans pays gien pile question qu'a posé gien pile débat qu'a fait et est-ce que force multinationale là est-ce que y a péché
Est-ce que y a privé de livrer marchandisan? Est-ce que gen espoir pour yo? Est-ce que véritablement yo a kakembe en face avec coalition vivre ensemble non? Compatriotes haïtiens frères sœurs, gen pile intervention qui fait dans sens ça. Et m'pa caché di ou et gagner Maître Samuel Madistin qui lui-même li rete kwè face à Izo barbecue coalition vivre ensemble nan Kenya gen gros défi devant li. Nan sens sa nous pral tande brièvement yon extrait nan intervention Maître Samuel Madistin qui lui-même t'a fait des analyses sous vini force multinationale là sous vini policier kenyan yo nan pays ya. On a l'écouté ensemble. Justement, je dis, tout le monde semblait d'accord, faut nous mettre le paquet sur la sécurité et avec et l'aide des étrangers, et force nationale, la force nationale et multinationale, elle commencé à déployer dans le pays. Songez, nous avons entrevu et la presse gagne ou retard à chaque fois où l'app vini ou elle pas vini vraiment. Où t'as dit que soit Fekob qui fait force et li pas convini dans pays et le moins ouais et j'ai actualité à la pas avancé notamment dernière décision qui prend bon décision qui prend au niveau et du gouvernement et américain quand on est congrès et puis pour que yo débloquer le quoi pour Haïti pour permettre force là li river pour que ça selon ou même partant de gens t'ai analysé question 1 ça y a pas voulu faire y a pas jugé bon pour te faire là et puis gouvernement américain il décide de débloquer situation dans moment ça bon ça c'est les décisions des états mais yon nan bagay qui caractérise yo c'est l'intérêt national. C'est-à-dire que à quel moment si me prend telle décision, ça capable profitable à l'intérêt de mon pays. Donc sûrement le gouvernement américain va gagner rapport d'études que au fait sous nécessité pour faire ça, sûrement il doit regarder et question immigration et insécurité qui a poussé d'Haïtien dehors. Cap envahi contre Floride, cap envahi et cap passé par Nicaragua, tombé Mexique, pour tomber aux États-Unis, etc. Ils rendent compte que Haïti, que son insécurité a son problème, qui capable d'un impact sur la sécurité nationale des États-Unis. Et ils ont dit plutôt une photo commun pour nous résoudre le problème de sécurité en Haïti et favoriser que Haïti reste la caille. Sûrement, c'est capable d'un élément qui fait décider de faire ça. Mais toujours, les décisions des États, en tout cas, ils ont toujours visé, pas parler des États corrompus, mais il y a des intérêts proches, non, mais c'est l'intérêt national, l'intérêt du pays. Ok. Mais est-ce que l'élection qui a pas avancé aux États-Unis, il joue dans ça tout? Il n'y a pas bon élément, par exemple, ou il y a des par exemple, premier débat fait. Et entre les candidats présidentiels hier soir, sous tap suivi, et sous CNN, ou après, il y a un élément, yo, c'est question d'immigration, de monde qui a rentré par ban et par paquet aux États-Unis, que quand républicain baille et quand démocrate la responsable, et de question démocrate, yo, gagne. On pression sur yo pour réagir sur question ça pour opinion publique américaine là pour pas perdre voix dans prochaine élection. C'est sûr que c'est capable d'un élément important. Mais je dis à sur élément important, c'est-à-dire la question haïtienne pour jouer un rôle dans la campagne électorale là. Allons dire la question la politique étrangère et Haïti a un élément parce que quand même la politique étrangère du gouvernement Biden que ce soit ça qui a passé aujourd'hui en Ukraine ou bien dans Moyen-Orient avec la guerre Israël contre Hamas
et aujourd'hui les attaques contre le Hezbollah au Liban, les répliques de Hezbollah, les menaces de l'Iran et le comportement du gouvernement Biden, et effectivement la question haïtienne, tous ces éléments font l'objet d'analyse, de critique dans cadre, dans perspective élection, hein, sous qui ça gouvernement Biden a été représenté en matière de politique étrangère qui permet que États-Unis comme superpuissance n'y pas jouer un rôle ou bien te jouer un rôle de leader au niveau mondial dans résoudre certaines crises dont la crise à Gaza, en Ukraine et en Haïti. Donc Haïti a plein d'autres. Donc c'est pas l'élément fondamental, mais c'est pas la fait partie du paquet politique étrangère. La Haïti a plein. Des Kenyans qui surplacent, qui surplacent déjà surplacent, moi-même garde pour me bailler des chiffres, parce que tu as commencé au départ, c'est-à-dire la presse internationale t'a parlé de la presse kenyane aussi, parce que information saute là pour lui. On t'a parlé de 400 Kenyans et 400 policiers kenyans qui t'apprendraient, des policiers spécialisés, et puis après ces 200 gouvernements haïtiens, par la voix du premier ministre Kony, il a dit bon, pour eux c'est pas ça qui est important, le fait est que force là les commencer à déployer. Et réaction qui sorti à l'étranger, et ben, réaction et ministre affaires étrangères Canada, et t'as des États-Unis tout, gouvernement et américain, ils ont parlé de étape cruciale dans le cadre résolution problème et gang armée. Est-ce que ou même ou t'as qu'à dire même bagarre sous même longueur d'onde avec eux, c'est comme ça ou déploiement comme ça? Non, pas du tout. C'est question. Bon, oui, vous savez, on vous pose des questions, mais même pas capable sous même longueur d'onde. Moi-même, son haïtien qui connaît la réalité Haïti, qui connaît sa pays à représenter et qui gagne, qui réfléchit sur question pays, moi. Nous avons dit, moi-même, pas oublier, nous sommes pour un ministre qui fait près de 15 ans. Qui a une mission pour stabiliser Haïti. Et après 15 ans, il est plus déstabilisé, il y a que stabiliser. Je ne peux pas prendre force là, pas anti-force là. Je ne peux pas prendre force là, multinationale là, comme outil pour venir pour résoudre le problème de Haïti. La PD est une mission, ça y est. Pour l'aider la police, mission ça y est pour aider la police, je vous promets. Pour l'aider. D'abord, déjà, dans la définition aider la police là, on y est déjà. C'est pour aider les forces publiques. Parce que le problème nous met là, le plus on qu'est-ce concerné l'armée que la police. Le fait que vous dites, vous définissez qu'on peut aider la police là, c'est déjà une erreur. Qui mérite corriger tout de suite. Et qui vient pour corriger, c'est le gouvernement pour corriger. Qu'on y a problème moins. Est-ce que le gouvernement connaît a une capacité pour élever à la hauteur de problème ça là pour corriger orientation force là et pour permettre que nous résoudre une fois pour toutes problème de sécurité pays à problème de faiblesse l'état. Ça m'a gardé. Ça nous ouais. Ça n'attendait, ça nous très doit attendre que ne pas attendre, ça nous très doit ouais que ne pas ouais, et bien pas inspirer confiance, pas un espoir que gouvernement connaît capable élever à la dimension de la situation que nous gagne là pour aider franchement pour faire une bonne utilisation de la présence de la force multinationale pour résoudre le problème de sécurité. Okay. Si nous appelons rapidement Madame Bonhomme, nous avons capable bon élément qui permet de affirmer ça nous là, auditeur eux-mêmes, dans ça y autant que moi-même je ne dois pas répéter ou bien que je ne pas attendre, dans ça y autant de ouais que ou pas ouais,
capable de compléter l'analyse, moi, hein, yo ka pran position pour lui ou contre. Qui ça gouvernement koni lan yi? D'abord, gouvernement koni lan, c'est un gouvernement bloc. Voilà, là, c'est que, yo dit nous, blanc d'accord CPTA, li pa nan constitution nou, mais je paye ya et là, si c'est ça blanc vle, après c'est blanc ou pas nous pob, en nous d'accord, nous fait CPT, blanc, c'est blanc. Nous dit blanc vle koni, koni gen 12 ans de yol, pas nan pli kon a ici, ah, mais c'est blanc vle li, unanimité au sein du CPT. Nous dit blanc vle, Ramon tourne dans tête police là. C'est la volonté de Washington. On nous parle. Et puis, Rameau, directeur de la police. Tout ça blanc vle, nous parle. 2026. Résolution problème et insécurité. Hein? J'ai l'impression que le gouvernement, li, ou elle, l'autre monde, l'autre secteur qui est à la concert, c'est bataille réussie, vaincre et gagner. Est-ce que gouvernement transition, hein? Nous capables d'attendre que yo fait tout ça déjà et n'attendre que des fonds de l'international qui capable jamais venir et n'a pas demandé et Mais, je te dis, ou même, ou te crois que la fête est comme ça? Ça dit, vous regardez que vous pouvez sur Haïti? Non, 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 Si nous parlons de cour de cassation, nous pas tant de jeunes fonds et tout. Bon, écoutez, moi dis, mais, il y a un bon problème qui vient là avec. C'est pour bon, l'autre bagaille, nous attendons que nous ne pouvons pas dire, ou pas une occasion, vous dites. Ou pas attendre des paquets de goûts qui t'en gagnent pour question de direction générale entre CPT avec Aïkoni. Moi te dis, ça n'est là, nous besoin d'un gouvernement simple et efficace pour adresser. C'est ça que je dis. Nous faisons le choix d'un gouvernement compliqué que blanc va nous, sous prétexte que blanc va l'aider nous. Et puis blanc va nous. Où qu'on est mieux que qui compte, M. Madison, que bataille pour pouvoir la jambe sept. C'est ça, crise là, il pétait en deux, c'est pété très tôt. Mais moi, je te prévois. Je te dis, Madame Bonhomme, que dans CPTA, où il y a des secteurs antagoniques à Boumé, où ils ont contre l'autre depuis 30 ans, il est impossible de mettre ensemble pour ne pas continuer Boumé. Je te dis ça, oui. Donc, laisse arriver là. C'est raison, Boumé. Je te prévois, je te dis tout. Bon, allez, bon, pose une question. Direct, Franco, là. Est-ce que je vais analyser la question, hein? Est-ce que nous n'avons pas capable de arriver à bout de l'insécurité là? Bon, je ne vais pas analyser l'argent pour ne pas arriver, non? Je vais analyser l'argent pour me dire mon nom, pour me tirer la sonnette d'alarme, pour me dire mais qui route pour nous prendre. Ça va là pour Koni, il va là pour CPTA, pour dire. On nous prend responsabilité, nous, je dis, on nous fait trois bagailles pour insécurité, depuis 3 ans, je dis ça. Je dis, on nous fait recrutement massif et intensif pour les forces armées d'Haïti. Je dis, en période normale, on a besoin 6 mois pour former un soldat. En période de crise, on a besoin 2 mois. Je dis, dans 6 mois, nous avons formé 15 000 soldats. Pour nous garantir sécurité pays. Moi dit fait vêtir la police là, renforcer la police là. Tant en équipement, en ressources humaines qu'en matériel ni pour l'armée. Et moi dit
en nous mettant en place et renforcer un service de renseignement efficace. Si nous faisons principal bagay sa yo, n'a garanti sécurité pays. Donc moi-même, moi clair sur côté me voulais aller. Qui côté pour pays aller? Moi-même, moi très clair. Mais d'où sous quoi que ces 2500 policiers étrangers qui pral garantir sécurité pays à pour ou pas faire samedi ou là ou pas prendre jeune garçon jeune femme pour entrer dans l'armée qui pral goumer pour former unité anti-guérilla tant anti-guérilla urbaine qu'anti-guérilla rurale ou pas former unité de drone de combat ou pas équiper la police ou pas équiper l'armée. Moins de 2500 soldats ou pas garantir sécurité pays. Il y a clair sur ça moi-même. Moi dis c'est nous-mêmes d'abord qui pour un propre plan de sécurité nous qui pour utiliser présence force multinationale là pour nous débloquer grande route ça on va le faire et qui pour permettre que nous faire formation massive et intensive pour que dans 5-6 mois pays a gagné des forces plus robustes. Côté question territoire de perdu à effacer, question zone de non-droit fini, par aucun côté pour la police pas qu'à entrer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Une fois que nous faisons ça, nous créons conditions pour moun continuer vivre et circuler dans le pays, et bien nous commencer à reprendre souveraineté. Nous, moi dis c'est là pour nous aller, et ça va dépendre seulement de la force multinationale ni de la police, c'est une décision gouvernementale pour y aller. C'est des décisions comme ça pour le gouvernement prend, pour bailler orientation et qui pour utiliser force multinationale là pour implémenter décision ça. Donc chaque acte à poser, les mener nous plus près vers l'indépendance du pays en matière sécuritaire. Vers pour repousser force gagnée, pour renforcer force l'État, pour nous reprendre le monopole de la violence légitime dans main l'État, pour mettre dans main l'État, pour suspendre dans main gagnée, c'est ça pour le gouvernement fait. Si nous pas fait ça, si nous pas orienté nous vers ça, moi dis nous n'a échoué encore. Mm-hmm. Nous nous sommes les comptés sous en pile sous m'a parlé de dirigeants autorité sous et pour gagner yo déposer les armes. Grande question qui fait débat là récemment dans une conférence de presse grand journaliste qui était posé premier ministre question ça et voilà mais gagner a demandé et dialogue qui Jean Louel et réponse c'est que l'idio déposer les armes et respecter autorité de l'État. Il y a un tiers divisé et sous ça qui des monde qui dit que ça c'est une parole de homme d'État, gagné même qui dit yo scandalisé et Samuel Madistin et lui-même est-ce que c'est des propos rassurants et celui qui est capable rassurer population et secouer et gagné l'aime dit secouer pour dire bon ah monsieur ça les mêmes divini les pas dans jouette et que bon Dieu capable qu'on est là finalement il y a gain de choix véritablement c'est sous pas déposer les âmes c'est cimetière bon déjà pas trois prisons malheur de dire ça non malheur de dire ça non parce que déposer les âmes là capable gain de sens il capable on invitation on bagaille et pour moun yo si on vle li ka gon sens si pou di sou pa déposer zame n'a pin pral la men on et c'est ça et n'a ça pou nou ye c'est l'état bon di a utiliser zame ou pa gade quantité l'argent que bandi a montré que ou possédé dans vidéo y a fait on a ka utiliser zame l'a fait 20-30 000 dollars américains par jour. Lors d'il déposer les armes, oui, oui, oui. Tant que nous connaissons que les armes dans les lamelles, ils mettent vie pâle en danger. La police, l'armée, pour prendre la main, ils prennent des faux avions.
c'est que nèg la connaît des autres qui te gen la fini. C'est là ça zam n'a déposé, oui. Mm-hmm. C'est-à-dire que mais pour arriver là. Ah, comme si gang là lui-même, il va réfléchir quand on va on est que 2500 faux policiers forces internationales va faire. Mais si gang là garder Il y a 10 000 soldats dans 4 mois comme qui comme si m'a dit là qui a marqué le pas et puis il a gardé le roi des bouquets. Il y a 500 jeunes soldats déployés comme si il a pas un bulldozer pour venir craser au commissariat roi des bouquets et pour que 500 militaires qui déployés roi des bouquets. Mais c'est ça comme fait pour action, c'est pas parole yo. Bien, compatriotes haïtiens frères sœurs, c'est là n'a mettre en bout. Dans l'émission pour aujourd'hui, c'est un véritable plaisir pour nous porter information sur la pour vous. Restez connectés avec channel là pour cette programmation. Rendez-vous en cassé dans une autre vidéo. Merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, tendez ça. Ou c'est haïtien ou remet pays et bien on agit. Désespoir de machination politique et les non-dits. Mon éditorial vous dit tout. Émission mon éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures, oui, chez Chanel Paula pour qu'il bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous bras la balle pays, nous bras le débat, c'est toujours même Yannick, l'homme même voix.